Hey Frenchies, alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des nouilles buldak au kimchi et des côtes de porc ribs, des ribs quoi. Avec ça j'ai un coca sans sucre juste ici. Ah, ça fait du bien. Bien rafraîchissant, je le pose là, voilà comme ça. Et je vais commencer, aujourd'hui il n'y a pas de shout out, il n'y a pas de courrier du cœur. Je vais juste manger parce que j'ai hyper méga faim. Alors là je filme avec mon appareil photo le Canon PowerShot marque II, je sais plus quoi. Bref, c'est un que j'utilisais déjà avant. Et là comme mon téléphone est reparti enfin il est même pas encore parti, je l'ai mis dans la boîte pour l'envoyer au... pour le renvoyer au réparateur. Là j'ai des oignons là. Je l'ai mis dans la boîte mais il me manque plus qu'à scotcher ça. Ça fait du bien de manger mon gars. Là il est exactement 14h33. Mon dernier repas c'était hier soir. J'ai méga faim. Et encore hier soir je me suis pris quoi, une tasse de thé, une cuillère de riz, une toute petite cuillère de riz comme ça. Et j'avais fait quoi avec ça? Les ailes de poulet qui font déjà cuit en sachet là. Ils appellent ça comment? Des grignotes, des grignotines. Un truc dans le genre. Là, côte de porc. Ce sont mes préférés. Là, regarde comment c'est. Voilà, c'est froid. Elle kiffe ça. C'est des ribs. J'en ai laissé dans la marmite pour ce soir. Mais bon, je ne sais pas si elle va vouloir. Si elle va pouvoir les manger. Parce que. J'ai mis de la sauce. J'ai mis de la sauce gochujang dedans. Et du oh là là, ça pique. C'est bon, hein. Je suis toujours dans mes 600 à 700 calories. Celui-là il fait 300 calories. Un paquet. C'est plus ça qui est gras. Mais comme ce sont des côtes, il y a plus de viande que de gras. Je les ai fait. Je vous ai filmé un peu la vidéo. Vous verrez dans le vlog de dimanche. Et encore une fois, avec cet appareil photo là, comme il bug, je suis obligé à chaque fois de. Toutes les 40 secondes, je suis obligé d'arrêter la vidéo et de la reprendre juste après. J'ai mis un mélange d'oignons rouges et d'oignons blancs jaunes façon là. J'ai tellement du bien de manger. Ah tiens. Ouh. Ouh. Ça, ça pique. Et ça, c'est gazeux. Là, regarde, je suis obligée de mettre pause. D'arrêter la vidéo et de la remettre sur play. Là, deuxième côte de porc.
Regarde comment c'est beau. T'as vu comment c'est beau? Tellement bon. Je suis obligée de me sucer les doigts pour mettre prêt pour remettre play. Parce que quand je le fais pas, si je filme tout d'un coup, des fois ça filme tout normalement, mais des fois le bail il va te dire erreur cap mémoire et va tout supprimer, toute la vidéo que tu viens de faire de 10-20 minutes. En même temps, cet appareil photo là est très vieux. Je sais pas si j'ai encore le ticket de caisse et je sais même pas encore s'il est encore sous garantie celui-là. Faudrait que je me renseigne. S'il est encore sous garantie, ce serait intéressant de le faire réparer. Quelle grâce. C'est bon, hein. C'est bon, bon, hein. Je comprenais pas pourquoi les Américains. Je comprenais pas pourquoi les Américains ils aiment trop manger ça. Tout le temps. Dans les films, il y a toujours quelqu'un qui mange des ribs. Je parle des films afro-américains. C'est bon. Quand tu prends les crus, là, pas assaisonnés, rien. Tu les fais d'abord bien bouillir. Avec des feuilles de laurier. Jesus. Dès que ça a bien bouilli, là, tu les coupes parce que ça vient tout en gros morceaux comme ça, en grosses plaquettes. Tu les coupes, donc tu les sépares. Et après, tu les mets dans la poêle avec les oignons pour que ça fasse genre et que ça devienne doré, genre coloré, bien beau. Moi, avec ça, j'ai mis de l'huile de sésame juste pour avoir ce bon goût qu'il y a là. Là, je le sens, le goût de l'huile de sésame. J'aime trop. Vous inquiétez pas, j'ai fait mon sport ce matin. Même des fois quand je vous écris, je vous mets pas la petite vignette de quand j'ai fait mon sport. Sachez que je le fais tous les jours. Sauf le dimanche, des fois le dimanche je le fais pas. Oh, regarde comment c'est. Comme une pensée qui passe. Wow. Et dire quand j'étais plus jeune, les viandes comme ça là, je refusais de les manger. Les viandes que j'acceptais de manger quand j'étais plus jeune, c'était le poulet et les steaks hachés.
Les autres viandes là, c'était mort. Ouh. J'ai fait un mauvais combo là. Ça, ça arrache la bouche. Ça, j'ai mis deux sortes de piments différents. Et je rajoute ça en plus. Oh putain, maintenant j'ai tout qui me brûle. Mais c'est bon. Pourtant, je mange de sorte à ce que le piment il touche pas le tour de mes lèvres, mais ça me brûle quand même le tour des lèvres. T'as vu, je mange comme ça. Mais même le tour des lèvres il brûle. Je vais manger une dernière viande, et je vais vous dire bye, mon gars. La recette que je vous ai mis là, ne mangez surtout pas avec des nouilles qui arrachent comme ça. J'ai voulu croquer ça en pleine dent, genre comme c'était un vrai steak, j'ai voulu faire une vraie côte de porc. J'avais oublié qu'il y avait l'os au milieu. Hamtaro est réveillé. Le hamster. Il mange sa banane. Ouais. Ça y est, mon ventre est déjà bien plein là. Heureusement qu'il reste pas beaucoup de viande dessus, juste ce qui est au milieu là. Depuis que j'ai activé le piment avec le coca gazeux, ça m'arrache la bouche. So guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.